Hey, salut à tous, c'est Capitaine Flamme. Nous nous retrouvons pour le combat de Coliseum quotidien. Donc nous sommes le 3 août. Et dans ma team, j'ai un Xelor 139 et un Yop 160. Et en face, nous avons un SRAM 188, un Roublard 65. Bizarre. Et un Sacrieur 190. 190, pardon. Donc j'espère que ce combat risque d'être pas mal. Donc... désolé si je suis pas encore très chaud parce que là en fait j'ai pas fini de travailler pour la journée, je suis en pause jusque 18h. Donc j'ai juste le temps de faire un colis, peut-être le rendu si j'ai de la chance. Donc je vais juste dire à ma team de me donner des PA. Voilà. Je vais me rajouter un PA. Par contre, c'est bizarre. Il y a le son du jeu qui a disparu. Bah, tant pis. C'est pas trop grave. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est tuer plus rapidement le roublard. Ensuite, le sacré. Voilà, donc moi je vais essayer de jouer le mieux possible hein, pour vraiment vous montrer que je me suis amélioré. Donc le Yop de notre team qui fait un bond et qui, à mon avis, va aller tout seul sur le roublard. Mais par contre, c'est bizarre parce que pour son niveau, je trouve qu'il a pas tant de vie que ça. Il a que 2140, il devait avoir peut-être un peu plus. 2155, voilà. Et le roublard adverse qui nous fait deux espingoles pour commencer. Donc l'axelorette, pardon, Snarks qui va sûrement me donner des PA. Par contre, niveau équilibre du combat, je trouve que c'est pas fort équilibré hein, parce que rien que les deux HL de leur côté, pardon. Sont plus HL que moi et que nous, enfin je sais pas, je pense que si on additionne les niveaux, je crois que c'est eux qui sont quand même le plus haut. Ouais, donc apparemment il n'y a pas le son du jeu, donc c'est assez bizarre. Tant pis, hein. Vous allez avoir seulement ma voix. Je vais quand même vérifier vite fait que c'est pas moi qui l'ai désactivé. Non. Tant pis. C'est un bug qui arrive souvent en général. C'est pour ça que je m'en fais pas trop. Alors, qu'allons-nous pouvoir faire? Donc voilà, moi je mets... On les a même pas traités, nous. Un peu taisé qu'il est prêt. Donc alors le sacrieur qui s'avance sur notre Xelorette. Donc je vais devoir voler à son secours. À mon avis avec mon rouble à botte, suivant ce que va faire l'épée volante. Mais à mon avis elle risque d'aller au corps à corps de la Xel. Non, elle vient à mon cac. Donc ça par contre c'est pas ce que je pensais qu'elle allait faire. Je réfléchis ici. Le mur de bombe est toujours tente. Ouais, mais par contre, cette épée volante va vraiment faire chier. Mais normalement, je l'attaque. Apparemment. Donc, ce que moi je vais faire. Alors, placer une bombe. Une botte est placée. Deux espingoles sur la Xel. Non, une seule. Et Roubar qui ne se trouve plus que à 2 PA. Yotekoske. Non. Donc ce que je vais faire, je vais placer ma bombe plus le rouble à botte. Et ensuite je vais... Ah merde.
Ouais, non, s'il va par là, ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est la tirée, donc ça devrait aller. Donc ce que je vais faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Je vais placer ma bombe pour faire le mur. Et je vais faire un coup de corps à corps sur. Je vais faire un coup de corps à corps sur pardon, la roublarde qui est en panneau blob, donc qui a vraiment tu sais, me passer des équipements. Qui a vraiment pas mal de résistance. Donc elle a que 30% en air, donc logiquement ça devrait être potable. Voilà, je place mon roublabot. Et je fais mon coup de cac. Et je vais rester ici. Voilà. Je vais lui attirer le truc pour qu'il puisse pas aller directement sur lui. Bon, ça sert pas à grand chose ce que j'ai fait, mais bon, le sacré n'est plus qu'à un PA donc. Il est un peu dans la merde, comme on dirait. Donc s'il bouge pas, bah, je vais recommencer à le remettre dans un mur. Là par contre, prochain tour, il y a moins que je fasse des gros gros dommages. Mort de la roublarde en face. Et moi, je vais focus le sacré. À moins que le... Pardon. Voilà, là c'est parfait. Il vire tous ses PA. C'est nickel. Le sacré qui n'est plus qu'à 3 PA. Donc il va se manger plus mon mur de bombe en plus. Donc à moins que le SRAM soit à mon corps à corps. Ce que je doute très fort, à mon avis, il est vers le Yop. Ou bien il est allé par ici, je sais pas. Ben, le sacré devrait prendre très très cher à ce tour-ci. Non, ben le SRAM qui nique tout mon mur de bombe. Donc ce que je vais devoir faire, c'est que je réfléchis, j'ai 5 PM. Je vais lui remettre une bombe ici. Je vais me mettre là. Bah, je sais pas trop quoi faire, désolé, j'ai eu un petit blanc, mais je réfléchissais vraiment bien. Bien, qu'est-ce qu'il fait lui? Il se jette dans mon mur de bombe. Alors là, j'ai pas trop compris. Apparemment, il se suicide. Ouais, bah il se suicide littéralement, donc je comprends pas. Je comprends pas trop ce qui se passe, donc bah tant mieux, hein, ça se profile vers une victoire si le SRAM se prend bien assez. De dommage, pardon. J'avais oublié la fin de ma phrase. Tant mieux, hein. Donc moi, parlant de mon boulot aujourd'hui, ben, en fait, il y a un truc qui m'a fait assez rigoler. Donc comme vous le savez tous normalement maintenant, ben, pour le moment, je travaille chez Quick. Et tout à l'heure, ben, j'avais le casque sur la tête. Donc j'étais tout seul dans les cuisines. Je m'occupais du drive plus la caisse. Donc j'avais assez de boulot. Et à un moment, ça m'a fait rigoler parce qu'il y a un type qui nous a commandé un biki. Et la seule chose qu'on a eu à le répondre, c'est Monsieur, pardonnez-nous, mais nous n'avons pas de biquet chez Quick. Donc là, ça m'a bien fait rigoler sur ce moment-là.
Bah, il se remet vraiment. Il se suicide. Bah, même le double se suicide, apparemment. Moi, je vais faire une aimantation et tuer le sacré en face. Donc, désolé, le combat, bah, encore une fois, n'était pas si terrible, même si on a gagné. Hein. J'ai pas mal joué, je trouve. Même si, bon, voilà, ils se sont suicidés, mais bon, ça, je pouvais pas le prévoir non plus. Donc, moi, je vous dis à très bientôt et à demain pour un prochain Coliseum quotidien. Allez, salut à tous!